Un mois après, Sadek a été libéré sous contrôle judiciaire. Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actuelle. On va parler de Sadek et puis de Bassem Breki, puisque Sadek, il vient de sortir de prison. Je suis dehors, les amis, enfin à la maison. J'ai appris par le biais de la presse que la grosse, elle était dehors. Mon poteau, je suis pété, relâche les ouais le soir. Avant, tu me critiquais, maintenant, tu m'appelles le sang. Et parle pas mal de moi, là, tu vas te prendre une leçon. Nakri va tout niquer, ouais, les jaloux le savent. J'suis en scooter, là j'ai plus d'essence. Voilà, y'a pas one, ça revend la cesse. Erre à faire dans la zone, je sers. Oh, je t'explique, Sadek, il vient de laisser justement un message sur Twitter en expliquant qu'il vient de sortir de prison. Ceux qui savent pas encore, Sadek, il avait été emprisonné suite à l'agression qu'il avait faite sur le blogueur Bassem Breki. Il y a même une vidéo qui avait été diffusée par rapport à ça. Et ben là, Sadek, il vient de laisser un message à ses fans en expliquant qu'il a été libéré de prison. Bref, je te laisse avec le petit passage pour comprendre, on voit ça juste après. Allez, que je te parle d'un truc. Du truc. Un mois après, Sadek a été libéré sous contrôle judiciaire. Un peu plus d'un mois après la violente agression de Bassem dans le Rhône, Sadek a été libéré sous contrôle judiciaire. Il a écrit « Je suis dehors les amis, enfin à la maison, restez chez vous, prenez soin de vous » a simplement commenté Sadek. Plusieurs semaines après avoir passé à tabac le blogueur Bassem Breki, Sadek a été libéré ce jeudi de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, explique le Parisien. Passé sous contrôle judiciaire, l'artiste avait fait appel de son placement en détention provisoire en février. Et en gros, comme tu peux le voir, le message de Sadek, il est juste ici. Je suis dehors les amis, enfin à la maison, restez chez vous, prenez soin de vous. Et c'est bien Sadek qui l'a publié. Gang, je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Moi, vous, ce que vous en pensez, c'est pour ça que je tourne ma vidéo aujourd'hui. Au 10e jour de confinement, il est 18h46. Normalement, je devais vous publier une vidéo qui avait rien à voir à celle-ci. Bon, je pense que je vous la publierai demain, comme ça, ça fera plusieurs vidéos. Bref, l'équipe, je voulais terminer la vidéo, mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Fico, renseigne-toi s'il n'y a pas du nouveau. Et j'ai vu que Bassem Breki lui-même, il avait réagi par rapport à la libération de Sadek. Voilà, gang, je te laisse avec le petit passage pour comprendre. On voit ça juste après. Allez, que je te parle d'un truc. Du truc. J'ai appris par le biais de la presse que la grosse, elle était dehors. Grosse était dehors, à force de pleurer, à dire je suis menacé de mort, je suis menacé de mort. Bah, il est dehors, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai même pas envie de rentrer dans le débat de justice à deux vitesses. Ah là là l'équipe, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo actuelle. N'hésite pas à me dire dans les commentaires justement ce que t'en penses de la libération de Sadek. Et à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutien et le référencement de l'équipe. Comme je t'ai dit, je tourne mes vidéos le plus vite possible. Il est 18h47 au moment où je tourne celle-ci. Bref, moi j'arrête de vous rendre fou, je vous mens pas, j'étais en plein montage justement pour la vidéo qui était prévue là maintenant. Bon, je pense que je vais la mettre de côté et je vais monter celle-là d'abord. Bref, j'arrête de vous rendre fou. Peace les gang. Les boucas, je les baisse, les teutries, je les baisse. Je sais que je les mène, je suis pas là pour le baisse. Ton camas, c'est guess, la zipette est guess. On parle plus, on les élimine, je suis chaud comme la presse. C'est reparti pour un tour, tous les flots, je les alterne. Marthe qui tape des discours, tout ça juste pour un terre. En sous-marin, j'opère.